Stressée et éduquée qui croit qu'elle va appeler. Vous avez vu mon grade ND? Attends, mais Benjamin! Un petit bout de bouchou à mon cul. J'ai failli tomber. Ouais, ouais, un petit bout de bouchou qui a 9 ans. Grade ND! Oui, oui, j'ai vu. Poster! On pourra la poster sur. Ouais, sur Instagram. T'inquiète, on va faire un petit Instagram. Bordeaux, hashtag Figari. Hey, regardez comme ma face, c'est cool. Elias, il a dormi 4 heures cette nuit. Même pas, il a dormi 2 heures. 1 heure. Hein, Elias? Bonjour. Il a fini par terre. Je savais pas que t'allais faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas comment on fait pour. Ça y est, je suis bien à bord de ma Renault Capture. Et c'est pas une grosse bagnole qu'on m'a louée. Ah franchement, et j'ai même 40 sueurs. On vient d'arriver sur le sol Corse. On s'est tapé 30 minutes de voiture. Du coup, là, on va manger la siesta. Et après, on va direction l'hôtel et demain, on va voir la villa. Oh my god! Donc, regardez comme c'est beau et tout. Franchement, Annel, la Bella. Et regardez ce gros crasseux de Yann. Bah, il est pas crasseux. Ah non, bah non, il est juste dégueulasse. Yann, c'est pire qu'un enfant de 10 ans que t'emmènes. Et même Elias, il se tient à mieux regarder. On dirait qu'il est plein. Oh, t'es beau là. T'es bronzé. On est tout propre, tout lavé, tout dessalé. Je suis habillée comme une merde. Je viens de me racher l'ongle, les gars. Oh, j'ai tarpe un mal. On va escalader pour toi, là. Tu veux escalader le mur? Bah, on a pas le choix, non? Ah, merde de chien. On a fait tuba à masque et on a vu des poissons. Des super beaux poissons. Regardez comme c'est beau, on est sur un rooftop, apparemment c'est des pizzas napolitaines. C'est gentil. J'ai mis à ma vie, il fait 72. Oui, parce qu'un jour, il y a un apéro. Tu peux nous dire combien de temps t'as dormi cette nuit, s'il te plaît? Si, si, faut pas grave. Vas-y, dis avec les doigts. C'est... Zéro. Et encore, 3 heures. Oui, c'est énorme. 3 minutes. 3 minutes, c'est ça. Bon là on a fini le petit déj, qu'est-ce qu'on fait Elias là? Vous voyez un homme qui nage. C'est James. Salut, et regardez les poissons. Yo, chante pas. Non. Moi je veux elle. Bon, petite toilette, un bureau pour jouer du piano. Ouais. Première chambre, c'est très grand. Hein. Là-bas, vous voyez la mer. Petit baignoire pour les nappes. Encore une chambre. Toilette, salle de bain. C'est quoi ça? Eh, la porte, c'est futuriste. Benjamin, réflexe. Complètement pas.
Qu'est-ce que vous faites chez moi là? Régler à la pétanque sec, petit tas de ping-pong, terrasse extérieure, voilà, piscine. Oh, c'est immense, c'est trop bien. C'est bien. Donc là, il y a une petite dépendance, voilà, avec un lit, tout ce qu'il faut quoi. Garde, vous avez dans la dépendance? Ouais, un allié, non. Vous avez dans la dépendance? Mes parents. Les gens ici? Ah, elle a dit. L'agent immobilier, combien ça coûte ça? À la vente, pas, là, comme ça. Pas, la vente comme ça, c'est le vendeur. 150 000 euros à peu près. 150 000 euros? Mais avec les frais d'agent, je prends un million. Ah voilà, avec les frais d'agent. Prends quelques frais. Oh ma gueule. On va les blocs. On va les tests. On va les. Si. C'est grave, je suis au fou de ça. La vie est dure. Yo, ça va? Demain, on va faire un grand canyon. On doit se lever à 6h30 parce qu'il y a une heure de route. Il y a. C'est pareil, canyon, canyoning, bref. On va aller avec mon père, Yon Lafitte. Yeah. Il est un peu fatigué. Bref. Il y a Benjamin Renard qui vient. Après les meufs elles viennent pas parce que c'est et des meufs. Vas-y, pardon. Mais pardon. Non, moi je viens pas parce que j'ai des ongles. Ouais. Ah, c'est bon, je suis pas. Et après il y a moi qui viens et voilà. Et le king. The king. Ben moi, quoi. Il manque pas une personne. Ouais, lui là, je le dis là. Ouais, lui là. Bon, voilà. Allez, ciao. Elias, ça va? Qu'est-ce que c'est? Le sac fait 4 passages. Quoi, plein? Allez, dans le noir. À gauche. Ouais. Allez, on part de là. Bien joué mon pote! Ah, bien joué! Tiens, t'as un caillou là. Elias, raconte-nous le canyoning. Ça a été le canyoning? Ah ouais, c'est trop bien. Ouais. Pas trop la fin, mais sinon. T'as eu un peu du mal à rentrer, c'était long la randonnée. Ouais. Pour vous expliquer, en gros, on a fait une randonnée pour rentrer de 1h30. Et c'était très difficile. Et Elias, t'as quel âge Elias? 10 ans. 10 ans?
Il a réussi. Bravo, bravo petit bonhomme. Bisous sur la bouche, bisous sur la bouche. Anel, Anel. Ça pas du tout mon cœur. Ne pardonnez pas d'avoir jeté le déshonneur sur la famille. Mais là, on raconte autre chose. Ça bon là on va au marché. Marché corse. Acheter le saucisson pour Anel. Anel adore le saucisson corse. J'adore le saucisson, j'adore le saucisson. Là le marché de Saint-Poussy de Porto-Vec. Marché artisanal, très artisanal. D'accord. Avec une base d'artisan. Ça fait longtemps que vous êtes là. Vous venez dans la région vous. Oui, je suis né à côté derrière la mourette en pierre. D'accord. Et là il y avait la cabane de mes parents. D'accord. C'est encore ce monsieur. Ça, ah ouais? Avec une chatte bleue. Ah ben, tu sais qu'il fut un temps, il avait une plaque corse, mais il s'est fait niquer par la police. C'est pas, il avait une plaque corse. Il avait mis une plaque corse. Ah oui. Sur quoi? Sur une voiture ou sur la moto? Sur le Sang-Yong, non? Oui, non, il avait collé, ouais, le truc. Et la police, ils ont. Et la police, ils ont dit quoi? Je sais plus quoi. Mais il faudrait lui demander, hein, parce que c'est lui qui connaît l'histoire. Raconte ton histoire. On m'a dit que vous avez eu des histoires avec la justice. Ah, je par rapport à une plaque d'immatriculation corse? Vous auriez mis sur une voiture volée? Non, c'est une vieille histoire. Du coup, vous pouvez aller un peu... Ben, à la finale, on fait le truc où on met la corde. Aujourd'hui, avec Elias, on choisit des lunettes. Ouais, c'est bien, hein? Ouais. Ouh, hyper stylé. Ouais, monte sur le côté. Oh, un alien. Comment ça se fait qu'il y a une tortue? Ouais, mais... Wesh... Bon là on est à Bonifacio. On est à Bonifacio. Avec le Corse le plus Corse de tous les Corses. Oh c'est un enfer, c'est un enfer pour se garer. Yann il s'est garé juste là avec son bateau, il saoule. Le mardi il a marché, c'est le pire jour pour venir et nous on est venus là. Ok, nouveau clip. Yeah. Comme je veux pas mettre 121 euros dans le bar. Beau ce Bob. Beau cette casquette. Merci. Le Corse le plus Corse de tous les Corses. Et donc là on va visiter Bonifacio. En bas. Oh, je suis dégueu parce que je voulais manger des pizzas. Qui vous souhaite une agréable journée. Par mesure de sécurité, nous allons appeler Bubble Tea. Vous avez l'air trop con. Salut. Chégué, ça dit quoi chégué? En léger. En léger, ça dit quoi chégué? Le soir, lui, le matin, c'est le matin. T'es boyon. 16-hour days, I just landed in Oakland. Coyote Hills and Rav Simmons out in the open. Coke and rum with Kayla and Brittany, nothing's hopeless. But access is restricted based on who you be knowing.
I was dreaming of Gucci back when girls had the cooties. Getting crossed, now these subies complimenting the movies. Pierre Moss, we experiment for a righteous movement. Motion picture delusions can be true if you choose it. I made a promise to pay it forward and to play it honest. They say the good die young, my legacy is polished. So if it all goes down, Vandy, not St. Thomas. I need a round of applause and the next round's on me. Look what causes these moments, I come from down the street. Hits the health and the patience around this round the week. It hits the being the humans that we was bound to be. Sounds sweet. Long days, late nights, every night, gotta get it. De rap aujourd'hui. Ouais. Je suis en moto avec tous les potes. On est à la plage là. Tranquille. Avec Ben. Tu veux mettre où alors? Mais là. Tcho. Dans les mégots de cigarettes, c'est nickel. C'est bien là, mon cœur dans les mégots. Un petit lit. C'est une fin de soirée ratée. Bonjour. Après les péripéties que vous avez pu apercevoir hier, Monsieur Vomito ainsi que sa bande de trous du cul, et ben là on est en train de faire les affaires, c'est très dur. J'ai mal au crâne et j'ai envie de dormir sur la plage. Voilà, j'ai trop le cafard de partir, on aurait dû prendre 2 semaines parce que c'est le cafard. Dur. Qu'est-ce qui était le plus dur, le réveil ou de laisser cette belle villa à Pinarel? Bah les deux, c'était très dur. L'homme de la Comment soirée. Il va notre champion? La vedette. Bon mais la boucle est bouclée, on revient là où on était le premier jour en fait. On avait fait le C-Bob le premier jour qu'on est arrivé. Et on avait mangé au petit resto là-haut, voilà, super. Tu peux nous voir le sac que t'as acheté pour la rentrée Elias? Top Gun Maverick. Du coup, on a retrouvé notre chez nous. Voilà, on est rentré un peu dégoûté. Mes parents restent, eux, une deuxième semaine. Franchement, j'ai adoré la Corse, même si je suis déjà allée. Mais là, c'était incroyable. La maison qu'on avait louée, enfin bref, c'était juste incroyable. Un super séjour. On a fait plein d'activités, en plus, comme vous avez pu le constater. Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Et je vous fais de gros bisous.